La Diagonale des Normands, un projet créé de toutes pièces par deux jeunes passionnés de sport. Mathéo et Desclans, âgés de 16 ans, ont décidé de rejoindre leur Normandie natale en partant de Modane. Le but, ça serait de partir de Modane jusqu'à Val-de-Sanne, donc c'est entre Rouen et Le Havre, c'est en Normandie. Ça fait un total d'un peu plus de 900 km et d'environ 6000 de dénivelé positif. Et puis le tracé, il a été tracé grâce à un ami qui nous a entraînés, c'est Tempo Training, et sa copine Charlotte. Et grâce à eux, c'est aussi en partie grâce à eux qu'on a fait ce projet. Un pari qui ne s'arrête pas à l'exploit sportif et qui met en avant une association. Un beau partenariat qui permet de mettre en lumière le sport et le handicap. En montrant qu'on peut adapter les activités, le matériel, et en fait tout le monde peut profiter des joies du sport. Et vu que c'est une association qui est implantée maintenant sur Grenoble, mais que le président était sur Modane, on s'est dit comme quoi c'était un peu local et qu'il fallait qu'on aide cette association puisque il faut que tout le monde profite du sport, même ceux à qui c'est pas facile. L'objectif, faire participer ces personnes en situation de handicap à leur périple. On aura 3 jeunes, du coup, sur le deuxième jour, qui feront 88 km avec nous et qui vont se relayer. Donc ils auront un tandem adapté, donc avec le président derrière. Et devant, c'est un vélo un peu couchette, où il y a des pédales où on peut pédaler avec les mains pour les enfants. Et donc on va voyager avec eux, il y aura des relais avec les jeunes. Et nous, notre but, c'est de profiter avec les jeunes et de leur montrer que même le vélo aussi c'est un beau sport et que tout le monde peut en profiter. Une première ultra-distance de 900 km pour ces deux jeunes qui suivent au quotidien un entraînement intensif. Niveau entraînement, étant donné qu'on est interne et au lycée, c'était un peu compliqué, mais on faisait beaucoup de renforcement musculaire en semaine et le week-end on priorisait les sorties à la longue, on priorisait le plat au dénivelé. Car durant cette diagonale, il y aura principalement du plat et des vallonnements. Une aventure que vous pourrez suivre toute la semaine sur les réseaux sociaux, la Diagonale des Normands.